Attendez, j'entends un bruit. Ah ouais. Et quelqu'un a la PS3 là? Bah non, moi ma mère elle veut pas que j'achète. Pourquoi? Bah parce qu'elle coûte trop cher. Ouais, c'est vrai. Et toi? Non, moi j'ai assez d'argent mais elle veut pas ma mère. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a que des jeux aux plus de 18 ans dessus, à part un ou deux. Oh merde. Et toi? Non, moi je peux me l'acheter, ma mère elle veut bien, mais moi ce que j'aime c'est les jeux où on s'amuse. Et sur la PS3 il y a que des jeux de voiture, de pistolet et de baston, donc ça me convient pas très bien. Ah, donc en gros, personne ici n'a la PS3. Voilà. Bon, bah on se casse alors, hein. Oh, il y a un gars là. Cassons-nous! Et moi, je veux jouer à la Wii au moins une fois dans ma vie, je me barre! Ta gueule, I love PS3, moi. Oh. Moi, je dis vive toutes les consoles, vive les jeux vidéo! Ouais, ça c'est bien. T'as raison, mon Vive gars. la démocratie! Hop, allez, hop, on Et à avance. Baléon! Quoi? Bah oui, maintenant que je me suis barré, je peux te traiter, hein. Oh, bah merde, c'est con! Tu vois, Baléon, hop. Et le prochain qui me fait ce coup-là, c'est pareil. Ah, un coup de thune. Unigan, c'est toi? Oh non, c'est l'autre con. Eh oui, je suis comme tu dirais de retour. À dire vrai, je vais te réitérer mon offre une dernière fois. Veux-tu être mon acolyte? Non, je crois que tu peux définitivement abandonner l'idée là. Je crois que je serai jamais. Tu ne te rends vraiment pas compte de la place que je t'offre. Le traître dont je tairai le nom avait une place de choix dans notre société. Il se trouve qu'il nous avait trahis et qu'il avait choisi notre argent pour faire ses œuvres spéciales avec les gros culs ou je sais pas quoi. Mais malheureusement pour lui, il a été tué par quelqu'un d'autre que nous. Tant mieux, débarrassez de lui. Maintenant, on te propose cette place. Réfléchis bien. Non, en fait, je crois qu'il a toujours pas compris ce con. Je n'irai jamais dans son entreprise de merde, hein. Bon bah maintenant que c'est ouvert, allez voir ce qu'il y a. Ok, je rentre. Y a quelqu'un? Tu sais que c'est dangereux de se balader par ici le soir? Ouais, surtout quand quelqu'un te menace avec un gun dans le dos. Exactement, les mains en l'air. Ah ouais? Et qu'est-ce qui m'obligerait à t'obéir? Joli cul! N'en profite pas du ralenti pour me relaquer le cul. Couteau! J'arrive! Alors, c'est qui le plus fort, hein? Alors maintenant, tu vas me donner gentiment ton gun et me dire qui tu es et ce que tu fous ici. T'es con ou quoi? Tu me reconnais pas? Attends. Si je retire mes lunettes, tu me reconnais? Dada. T'as toujours pas changé de prénom? Non? À Dada sur mon bidet? Ah ouais? Et il y a autre chose qui me tracasse. Qu'est-ce que tu fais ici, Dada? Ce serait trop long à te raconter. T'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Vas-y. J'ai pas le temps d'expliquer. Oh, salope! Reviens! On se reverra peut-être plus tard. Dada! Eh ben merde, Yann, vous m'avez pas dit que vous connaissez une meuf aussi canon que ça, hein. Bah ouais, elle était avec moi à Raccoon City il y a 6 ans. Elle m'a bien aidé contre les zombies durant certaines nuits. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Par contre, son prénom est assez bizarre, quoi, Dada. Ah, c'est sûr que ça fait un peu moins glamour par rapport à son physique, on va dire. Mais bon, il y a des parents, comme ça, ils savent pas ce qu'ils font. Oh, la jolie salle à manger. Il y a une porte tout droit, j'avance. Allez-y, on va voir ce qu'il y a. Hop, allez. Eh merde, oh. Putain! Oh non, bah vas-y, va. Bah, tu vois, ça va être halas ce qu'on va te faire. Oh non, pas lui. Moi, oh, celui-là, t'as vu. S'il vous plaît, tout n'est pas lui. Vite, le cadenas. Oh le bâtard. Voilà. Toi, tu vas crever. Je vais te tuer. Oh aïe. Putain, nique ta mère. Il saoule, le gars. Vous entendez, Brunigan? Ah bah, je crois que ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on Putain, appelle... pilote, il commence à me casser les couilles sévères. Tiens. Oh là. Va te faire enculer. Putain, je vais... Allez, hop, comme ça, je suis sorti. C'est ce qu'on appelle se faire brûler. Toi, ta mère. Quoi? C'est toi qui as su mon frère. Tiens, allez, hop, et je vais être obligé de reprendre un spray pour ces connards. C'est vrai que c'est assez embêtant. Putain, il me casse les couilles sévères, alors. Je vais m'occuper d'eux. C'est toi qui as tué mon frère, j'ai dit! Ta gueule! De quoi? Mon frère, c'était le gara de fer! Et toi, t'es le gara de quoi, de bronze? De métal! Et t'as tué mon frère!
C'est pas grave, tu vas aller le rejoindre bientôt. Non, je le vengerai. Bah vas-y, je t'attends. Non, moi je viens. Je m'attends pas. Tu restes ici, attends-moi. Fais un pas de bruit, je sais pas où t'es. Putain, mais toi, je vais te tuer avec la plus grosse cruauté qu'il existe au monde. Bon, alors, lui, je vais m'occuper de lui parce qu'il commence sérieusement à me taper sur le système avec son garrot de fer. Bah, si t'es son frère, il faut comprendre, hein. Il est où? Bon, s'y va. Eh, attends, il joue pas devant lui. Oh! Ouais, merci de m'avoir protégé, mec. Bon, il est où? Wolverine! Contrairement à mon frère, je vais réussir à te refaire ta coupe de merde. Vous êtes tous envoyés pour faire ma coupe? C'est mon boulot! Hein? Il est où? Et merde! Tiens! Putain! Mange! Y a un connard qui arrive en plus! Ah, ça c'est con ça! Attends, attends, on peut discuter? On peut discuter, mais tout à l'heure. Faut que tu seras crevé. Moi, t'inquiète, moi je vais t'esquiver au moins, moi. Ah bah. Oh putain, non! Ah, mon araignée de la tête! Moi, je vais t'envoyer mon araignée de la tête, tu vas voir, tu vas que ton compte. Donc, il me faut 5 balles pour buter ça. Il me faut l'araignée de la tête. Oh bah non. Commence à me casser les couilles, ce château de merde. Et toi, tu vas crever aussi parce que tu commences sérieusement à me casser les burins. Mais où c'est que t'es? Hein? Dans ton cul. Putain, il y en a un autre. Merde, ça lui fait. Ça fait pas mal. Il y a l'autre qui rigole en plus, hein. On se dépense, je vais aïe. Ta gueule. Tu commences. Ah, vas-y, range tes gueules. Bon. Où il est? La fin est proche, connard. Alors, si tu pouvais pas t'approcher. Ah, merci. Hein? Je crois que là c'est encore plus sympathique. Adieu, mon de cru. Vous m'avez bien fait chier, bande de cons, hein. Alors, s'il y a un endroit où dans ta vie tu te seras fait brûler, tu te rappelleras de celui-là, mon ami. Ta gueule, parce que toi derrière ton PC t'es pas mieux, fils de con. Moi je suis bien, moi.